Suite à l'épisode des Marseillais aux Caraïbes, Shana Kress réagit au comportement de certains candidats vis-à-vis de Greg. Hier, l'épisode des Marseillais aux Caraïbes était explosif. L'histoire de Greg et Maeva a fait beaucoup parler. Les deux candidats se sont expliqués sur ce qui s'est passé entre eux à la plage, mais avec deux versions différentes. D'ailleurs, je vous ai posté deux vidéos à ce sujet. Shana Kress, ayant regardé l'épisode, a partagé son avis sur le couple et a réagi au comportement de certains candidats marseillais vis-à-vis de Greg, qu'elle juge de dur. Par ailleurs, l'ex de Thibaut Garcia trouve que cette saison des Marseillais est mieux qu'une série Netflix avec d'énormes rebondissements. Je trouve quand même qu'ils sont très durs avec Greg là, c'est abusé. Le pauvre, s'il a des sentiments, il essaye avec quelqu'un d'autre, avec les deux filles, mais bon. Non, franchement, ils sont choux, moi je les aime trop ensemble les deux là. Voilà, toujours dans l'extrême, toujours dans le plus. Mais non, allez, elle t'aime bien, arrête. Je sais plus quoi faire, moi. Normal, elle est belle. Elle a un comportement comme ça, elle est drôle. J'ai envie de craquer, tout simplement. Bah oui, mais tu vas craquer. Ils sont insupportables dans cette maison-là. T'as rien le temps de dire que les gens ils décident à ta place. Mais putain, les gars, mais c'est insupportable. Non, ils sont grave relous. Ah non, c'est trop, mais laissez-les tranquilles. C'est trop. Ah ouais, non, mais c'est trop, mais abusé, là. En train de finir l'épisode des Marseillais le 28, là. Les amis, cette année, les Marseillais, oh, c'est mieux qu'une série Netflix. C'est abusé. Oh, les rebondissements qu'il y a. C'est un truc de malade. Par contre, j'ai très très mal au cœur pour Greg. Pêcheur. Il est vraiment sensible et tout. Et bon, après, je dirais que c'est la faute de personne, mais fait de la peine quand même. Alors, êtes-vous d'accord avec Shana Kress? Qui a raison dans cette histoire? Greg ou Maeva Ghanem? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.